Bon, il y a des cornichons, je me fais un sandwich et puis je m'isole. Quoi? Tu dînes pas avec Nanette? Putain, ça craint! Comment ça, ça craint? On va pas allumer des cierges parce que Bernadette est revenue, non? Oh là là, qu'est-ce qui te prend, toi? Je te trouve bien agressif. Hein? Oh, ça va, hein, avec votre week-end d'ado amoureux, là. Le plan, le passé, c'est sublime, merci. Hein. Des fois, ça peut être pathétique, hein. Voire carrément chiant ou nul. Même. Qu'est-ce qui se passe, mon petit biquet? Tu nous fais ta grande philosophe? Oh, ça va bien. Hein. Bernadette, vous la connaissez comme moi, hein? Elle est parfaitement égocentrique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est devenue une star. Oui, elle veut toujours être le centre de l'univers. Un univers de préférence mâle, comme par hasard. Et d'ailleurs, vous êtes tous là à attendre, comme des grands benets qui crèvent la dalle. Tout ça parce qu'elle adore se faire désirer, comme toutes les nymphos. Alors là, mon vieux, explication à Amélie Grégoire, très profonde, analyse fine. Non, c'est le mot nympho qui te bloque. Pourtant, venant de toi, t'en as un peu profité, non? Alors là, si c'est pour faire règlement de compte à Hockey Corral, vous aurez peut-être mieux annulé le week-end. Mais arrêtons l'hypocrisie. Enfin, elle a toujours voulu séduire. D'ailleurs, pour ça qu'elle a toujours vécu avec plusieurs mecs à la fois. Il n'y a qu'à retirer le mot nympho et le remplacer par pute. Voilà. Oui, Bernadette est une pute. Elle est irrésistible, mais c'est la reine des putes. Hello, Antoine. Oh, Nanette. Tu dors pas? T'as toujours une grande gueule, hein. D'ailleurs, t'as toujours aimé les putes. De toute façon, c'est ce que tu préfères. Il n'y a qu'elles qui te font bander. Hein? Ils t'ont expliqué pour le concert hier soir. Hein. Impossible de venir, oui, puisque je suis moi-même en répète en ce moment. Oui, on m'a dit. Roméo et Juliette, ça doit être un beau job, ça. Oui, c'était un gros spectacle, mais enfin, il y a encore beaucoup de travail. Tu couches avec la comédienne qui fait Juliette, je suppose? Hein? Oui, enfin, on vit ensemble depuis 3 mois. Comment tu le sais? Je te connais, Antoine. Faut que ça fonctionne au lit, pour que ça fonctionne dans ta tête. Possible. Vite dit, mais enfin, c'est possible.